C'est la course en bateau la plus dure du monde. Le Vendée Globe est une course de voile où les participants font le tour du monde en solitaire. Et ils n'ont pas le droit de s'arrêter pour retourner à terre pour faire une pause. Durant 3 mois, les participants doivent donc affronter seuls les dangers de la mer. La compétition est si difficile qu'on la surnomme l'Everest des mers, en référence au plus haut sommet du monde. Mais qui a inventé le Vendée Globe? C'est Philippe Gentaut, marin passionné de voile, qui a créé cette compétition en 1989. Il s'est inspiré d'une course britannique, le Bock Challenge. Elle consiste à faire le tour du monde, mais les arrêts sont autorisés. Philippe Gentaut l'a d'ailleurs remporté en 1983. À ses débuts, le Vendée Globe n'attirait que quelques marins qui y participaient avec des voiliers bien moins évolués qu'aujourd'hui. Au fil du temps, la course devient fameuse et plus sérieuse. À l'époque, elle pouvait être bouclée en 109 jours, mais ça va de plus en plus vite. Le plus rapide l'a fini en 74 jours.